Et yo chers amis, c'est John McCown de 640 et aujourd'hui, on se retrouve avec Joy 666. Ouais. Donc pourquoi j'ai une armure en fer? Tout simplement parce que je suis allé miner Orcam parce que ça c'est pas très intéressant, hein. En fait, dis bonjour Sean. Donc je suis allé dans cette grotte, c'est pour ça que j'ai trouvé masse de fer et j'ai perdu masse de de torches. Allez, rentre. On continue en difficile. Et aussi, je suis allé miner. Et aussi, je suis allé voir le temple du désert. Donc, du coup, ce qu'il y avait dans les coffres, c'était ça. Oui. 10 sables. Oui. Un livre enchanté, épine 1. Oui. 10 fils. Tant mieux. Et j'ai eu ça comme bloc. Bon, bah, ça, c'est pas très intéressant. Donc, maintenant, descendant en mine. Sean. Descendant. Donc, vous voyez, j'avais pas remarqué qu'en fait ici on pouvait mettre la carte. Heureusement que je joue avec des amis, hein, par moment. Bah, Sean, t'as donné ta langue au chat? Ah non, t'as perdu le micro. Ah, ok. Donc, du coup, j'ai miné en fait le fer uniquement s'ils étaient sur mon chemin. Et j'ai trouvé ceci. Oh, éloigne-toi. Je veux le miner. Ah, qu'un seul? Ah! Ah! Bon, redstone. Ça, je prends. Bon, bah. Au moins, on a un diamant. C'est pas négligeable. Hein, Sean? Fais oui, fais non. Bon, bah, c'est pas négligeable, il dit oui, hein. En fait, si, c'est carrément négligeable parce que juste un pauvre diamant pourra pas me faire mon stuff pour aller combattre le dragon. Alléluia. Ouais, je sais, je suis avec ma bonne vieille épée en pierre. Alors. Donc, hop, hop. Donc on va tout remettre un à sa place. Après je pourrais faire masse de TNT. Ah, ça j'aime. Hop, 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 hop. Youp, tralala. Et je vais bientôt pouvoir. Ah oui, et cette potion, je l'ai eue grâce à une sorcière. Que je suis allé buter hors cam avec Caris à la fin de l'épisode dernier. Donc Sean, tu m'envoies un message si tu trouves un diamant et prends des torches pour miner. Dis-moi, je sais pas trop ce que tu es en train de faire, mais prends des torches si tu mines. Donc, ouh, va bientôt faire nuit. Donc voilà, j'ai planté les patates et les carottes. Faudrait que je trouve un système. Ouais, en fait, je l'ai déjà trouvé le système. Bon, je me parle à moi-même comme un con. Alors. Qu'est-ce que je pourrais faire, Sean? Ah, ok, il règle son micro. Ok. Bon, bah, on va bientôt pouvoir aller chasser le mob. Hostile. Donc, hein, je mets ça. À l'abri, à l'abri, à l'abri, à l'abri. Non, mais. Et ça aussi. Il n'a rien. Mettre à l'abri. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre d'autre? Ah bah bien. J'ai perdu ma mémoire.
Oups, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Merde, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Je voulais faire un truc, mais quoi? Ouais, chasser le mob. Ça, c'est prévu, gardez ça. Sean, on remonte. Voilà, si tu m'écoutes. Tu vois le lit là-haut? Tu dormiras dedans à la nuit tombée. Ici, tu dormiras dedans. Voilà. Hein? Tu peux commencer à dormir, je crois. Non. Ok. Et ouais, je vais peut-être prendre de la viande et pas de la pastèque parce que la pastèque, ça donne rien. Ah. Ah, ça c'est problématique. Ah. C'est problématique. La seule viande que j'avais en masse, c'était le mouton. Bon bah, pas grave, hein. Donc je suis à combien de minutes de vidéo? 6 minutes! Waouh! Et on va chasser le mob! Chasser le mob! N'oubliez pas que je suis en difficile, hein. Et pas en facile, machin, bidule, chouette. Je suis toujours en difficile. Oui! Creepy! Creepy! Oh merci! Il me donne du boss! Bon, il me donne rien. Mais il m'a permis de voir un truc. Oui, j'ai pas envie d'être enfermé là-dedans. Voilà. Ah, elle va pas tarder à me lâcher, cette épée. Tant mieux, c'est ce que je veux. Creepy. Oui, j'ai une dent. John, tu peux aller dormir. C'est un conseil que je te donne. Dors, dors, dors. Va dormir. Voilà. Là, tu peux t'enlever. Ton point de spawn a été sauvegardé. N'empêche, on a une très jolie map. J'irai l'explorer entièrement. Pour voir un peu qu'est-ce qu'elle donne. Réellement. Attention, je laisse rentrer les mobs. Dans la zone safe, vous savez. Comme si... dans une menace... C'est... Oh, Creeper Boy, là, il me fait chier, ce gars. Oh, j'en ai rien à foutre de lui. Hein. D'ailleurs, je sais même pas qui c'est. Non mais je vous jure, si c'est un abonné, les intello, ah, c'est vrai. Putain, je... C'est qui Léo? Oh! Creepy! Creepy! Non, sans blague, j'avais pas deviné que c'était Creeper Léo. Hein. Ouh, je peux plus sortir. Voilà, rebouchez-moi ça, hop. Ah putain, fourrette.
Il est plus... Ah, il est plus malin qu'il n'en a l'air. Non, je le connais pas. Je dois ressembler, ça y est, un hérisson. Ouais. Mais sauf que normalement, c'est dans le dos qu'on a les épines. Pas au ventre. C'est pas grave. J'ai failli crever face à un squelette. Lui, au moins, je peux l'appeler le squelette de la mort. Voilà. J'ai un peu de bouffe. Il va vraiment falloir que je me fasse une épée en pierre. Hein. En fer, pardon. Quand mon épée en pierre aura lâché. Ah, la pastèque. C'est une nourriture infinie, mais niveau ratio, c'est de la grosse daube. Je me fais agresser par un squelette dans le dos, mais comme un gros fils de pute que c'est. Oh, mais il fait chier lui. Oh, je suis en pleine nuit, en mode difficile. Il va se faire voir, hein. Bon, bah, on va rentrer, hein. Et on va bien voir ce qu'est-ce qu'il me dit, cet enculé. Moi, bon, après, je sais pas si c'est un enculé, mais. Reçu. Oh, je suis ami avec. Oh, j'en ai rien à foutre qu'il soit ami avec Tartampion. Oui, bah. Ouais, occupe-toi du champ si tu veux. Le. Je vois un zombie. Allez, je vais me faire le petit zombie. Pareil. C'est-à-dire que j'ai failli crever face à un squelette. Et moi, je veux m'attaquer aux zombies. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis suicidaire, mais à ce point-là, je pensais pas. Ah ouais, un chien, c'est ça qu'il faut que je me fasse. Que je me fasse. Pas que je me fasse, mais. Ouais. Et oui, il faut que j'aille me faire des squelettes. Des squelettons. Voilà, lui je l'ai géré. Voyez? Lui on le gère. Ah, par contre, ça m'a fait transpirer. Ouh, quelle belle chaleur. Pourquoi tu te fais une pioche en fer? Putain, en plus, j'ai suffisamment d'eau pour elle. Pour m'élever 50 chiens. Putain, c'est pas con ça. Ouais, une petite araignée. Pour faire des popos, haut de dégâts, machin, contre le dragon. Par contre, c'est les Spider Jockey, hein. Ça, j'espère jamais en voir un. J'ai juste dit espérer, après, je sais très bien que je vais en voir un. Oula, je pose la caméra, moi, pendant le verre. Allez, Bernard. Ça va? Au calme? Pas touche à mon fer, hein, si c'est ce que ça veut dire. Je déconne, bien sûr, mais bon. Et si tu trouves du diamant, tu le mines pas, sinon je t'éclate. Et repose ma pioche en fer. Dans son coffre, ainsi que ma pioche en pierre. Mon autre pioche en pierre, j'en avais deux. Ah, on va pouvoir pêcher.
Tu trouves du diamant, je t'encule. Si tu le mines. Je sais, moi je suis drôlement sympa. Voilà. Donc, faisons-nous un petit arc. Voilà. Mon petit arc de l'amour. Et ma petite canne à pêche de l'amour, bien sûr. Merde, ça. Voilà. Un coffre à merde. Oh là là. On spellation. John, il va bientôt falloir que tu remontes pour dire au revoir à mes abonnés. Et bah après t'as 4 minutes. Et voilà. Petite pêche. On finit sur de la pêche. C'est pas beau ça? Et là, il y a un squelette qui me snipe au même moment. Je chouine. Un arc? Solidité 3! Oh putain, celle-là, faut le faire. Au moins, on a un arc solidité. C'est pas mal. Au moins, j'enchanterai mon autre. Et bah. Voilà, hein. Du saumon, on veut tous du saumon. Non, on est tous du saumon, surtout. Donc, on va à la mine. Parce que là, il est pas en train de nous attendre. Alors, hop, prendre ça, ça, ça. Ça, je le mets là. Ça, je le mets. Et mes torches! Sean, je vais te balafrer. Oh, je vais lui mettre un petit coup là. Et les torches, ça se met à droite. Guignol. Oh, je vous jure, les amateurs. Les torches, ça se met à droite, Sean. Voilà. Et. Ah merde, je peux pas le buter. Oh shit. Je suis derrière toi. Il y a quelque chose que tu m'as pris. C'est ça que tu m'as pris. J'en avais un stack et 10. Tu vas pas me dire que t'en as. Ok. Tiens, voilà, 31 torches. Hein, je suis pas un bâtard non plus. Et tu mines la pierre avec une pioche en pierre pan fer. Oh bon sang. Et l'économie. Vous savez ce que c'est, vous, l'économie ou pas? Ah, oh, je vous jure, les amateurs. Ah, par contre, j'entends de la lave. Torche à droite, torche bien. Non mais j'ai pas envie d'avoir tous les mobs de la map.
Vous avez pas entendu de la lave? Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé quoi? Diamant? Bon, bah pousse-toi. Peux péter un câble. Bon, Sean. Il faut dire au revoir à nos abonnés. Ciao, Bilout. Dis-moi à mes abonnés. Allez, ciao.